jouer et tout ça, donc je ne trouve pas bon. Mais la fusion, pour moi, elle va toujours exister. On est en plein dedans, plus que jamais. Mais c'est plus de la fusion du jazz et du rock. Donc il y a d'autres influences, on l'entend dans la musique, au fait. Donc, non, c'est bien d'utiliser l'harmonica d'une façon différente. Ça m'a plu tout de suite. Je pense que c'est avant tout une histoire d'amitié, c'est une aventure humaine. C'est vrai qu'on a appris la musique ensemble. Les idées qu'on a eues déjà, peut-être pour certaines, il y a presque 20 ans. On s'est d'ailleurs amusé à retrouver des maquettes de l'époque qui étonnamment sonnent comme certains des titres qui sont aujourd'hui sur le disque. Cette énergie très rock, très électrique. Cut. Musique aussi. Cette énergie rock qui nous a finalement réunis sur son... Sur... Ah, c'est bon. C'est le chat. On prend au montage. Hein. Pas sûr. L'énergie rock que tu l'as, enfin je veux dire. Je crois que cette énergie rock, je l'ai. C'est vrai que les accords, je les joue de façon en général égrenée, arpégée, de sorte que j'occupe plus une place de décor confortable qui permet aux autres de se placer dans cet espace sonore. Harmonica, okay. Stevie Wonder, Board of the Blues. Okay. So I think, okay, maybe this is some blues. And I put the first MP3 on. Whoa. Wow! So I had to. Okay. Now I have to play. No, that's the Sebastian. Sans la présence d'un seigneur site. Jean-Philippe me dit oh, attends, faut que je te ramène un gars qui joue de l'harmonica, tu vas voir, c'est génial, je veux que tu le fasses. Alors j'ai dit bah ouais, ok, quel jour? Et il m'a dit le jour, et puis un jour, Sébastien est arrivé, et puis on a commencé le jour. Mais c'est un peu comme ça. Mais des contrastes maîtrisés. It's straight up the Red Queen. It's in Paris, the 13th area. C'est le 13e arrondissement de Paris. J'ai avec moi aujourd'hui Sébastien Charlier. Oui. J'espère qu'il est sans roots comme il dit. Pas le son Motown, mais le son un peu roots, tu vois. Et la guitare pareil, ça, il y a une belle transition entre le... Ne bouge pas le piano, c'est bon, hein. Ouais, on piano, c'est bien. C'est une vieille histoire déjà, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je connais bien ton travail, c'est un travail mélodique. Ce qui était intéressant, c'est qu'il te positionnait différemment d'un premier album qui était très acoustique. Là, on arrivait dans une musique que je connais un peu, puisqu'on est déjà dans une matière qui est entre le jazz et la musique pop. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé la barrière du jazz un peu introverti pour aller aussi vers un jazz un petit peu plus spectaculaire. Beaucoup de temps, je crois qu'entre le moment où on a composé... Le moment où j'ai enregistré mon premier solo, il s'est passé au moins un an. C'était non-stop. Et qu'on fait trois notes, il va y avoir un petit souci. Et si on arrive et qu'on fait plein de notes, mais ça sert strictement à rien, mélodiquement, il n'y a plus le contenu que j'aime avoir dans un univers qui est complètement étranger à l'harmonica.
ça peut paraître un peu suspect ou étrange d'avoir envie de jouer l'harmonica dans ce style. En fait, c'est juste que voilà, c'est le médium que j'utilise. Et c'est la musique que j'aime.